pas tout cas vu. On a de Pierre Châtel. Avant de faire ces 150 km, on s'est entraîné 2-3 semaines en allant au bois français ou en faisant des montées. On a révisé nos vélos, on a vérifié si nos pneus étaient gonflés, on a mis des écarteurs de danger, on a mis des sonnettes et on les a nettoyés. Oui, on peut pas y aller maintenant. Où ça? Faire le saut élastique, bien sûr. Ben, je me suis bien débrouillée dans les montées avec de l'entraînement. Ben, ça allait, mais c'est pas pour autant que j'appréciais. Et après quelques jours d'efforts, ben après c'était facile. Je faisais partie des 4 fantastiques. Et aussi, je suis pas montée dans le fourgon. Et j'ai progressé. Alors Yanis, c'est quoi les 4 fantastiques? Dans les montées, c'est ceux qui sont tout devant, qui sont pas fatigués. C'est bien Stella. Vas-y Noura. Ouais, Kim, tu l'as gratté. Vas-y Stella, ouais, bravo, super, bravo, bravo les filles. C'est bien les enfants. Bravo Kassim. Super Yanis. Bravo ami. Et on a les 4 fantastiques là. Hein. Dans Trièves, on s'est promené dans un jardin géant. C'était dément. Et on a rencontré des gens qui, avec d'anciens objets, ont créé des instruments. Et on a goûté des plantes aromatisées et on a appelé ça des plantes bonbons. Franchement, c'était très bon, faut vraiment l'avouer. Et aussi, on a même assisté à un lever de soleil et un début de matinée pour les abeilles. Thank you.
Bravo les enfants, super. Mathieu. Super. Bravo, super. On est en groupe. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire à maman? Maman, au secours! Adieu! Un petit message pour ton père? Yeah. Je suis toujours vivant! Un petit message pour ton père? Non. Un petit message pour ton père? J'en peux plus. Oui, on va dormir dans les tournesols? Voilà, c'est ça! Ouais! On va se lever, vous levez la tête! Ouais, et ils seront en face de nous! Il y avait une poule dans la teigne. Ça va chauffer, donc c'est la vapeur qui va passer à travers les plantes. La vapeur, elle va arriver là. Elle va passer dans ce conduit là. Et après, elle va passer là. C'est la vapeur qui passe à travers les plantes. Et en passant à travers les plantes, elle prend plein de propriétés des plantes. Et du coup, après, la vapeur, elle est refroidie. Je trouve que c'est bien pour tout, ça, c'est la crème à tout. Super. La réconsole. Voilà. Et puis, celle-ci, c'est la torticole. C'est bien pour tout ce qui est contraction musculaire. Quand vous aurez bien pédalé encore, s'il y en a qui ont mal au muscle. Ça, c'est la consoude, là. Ça, c'est la plante que j'adore. Regardez la maison de François sur la droite. Les enfants, l'école est en haut. Ouais.
Non. Alors j'ai aimé les descentes, c'était mieux que les montées. Ça reposait des jambes, on était concentrés, ça s'est bien passé. Au-dessus de la Georgette. Mon col, il voulait filmer l'arrivée. Et juste en attendant cette descente, il y a des écarts. Et du coup, il aura dû me remonter. Moi, j'étais derrière, alors au cas. Thank you.
On a traversé 5 départements. Il y avait l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes des Hautes-Provence et le Var. Certaines routes étaient plus dangereuses que d'autres, surtout les petites routes départementales, car elles étaient étroites. Il n'y avait pas de piste cyclable et il y avait beaucoup de virages. Du coup, ça nous a obligés de faire plus attention. Thank you.
Ouais, t'es sûr que c'est ce chemin? François, je t'aime bien, mais là, il y a des limites parfois. Coucou. On s'arrête, on a perdu. Allez, on avance. Attention, vas-y. Double pas à droite. On a eu la surprise de jouer avec une batucada avec laquelle on avait fait le spectacle Batuka Meets 4. Et ils devaient venir à deux, mais ils sont venus à une dizaine jouer avec nous au plan d'eau de la Germanette. Pendant que nous roulions, des fois on faisait des pauses, on jouait pour des piscines et pour des plans d'eau qui appartenaient à des villes. Et des fois, quand on faisait la pause midi à côté de la route, il y avait le Buech et on se baignait souvent dans des rivières comme ça. Sisteron sur le rocher, droit devant. Thank you.
À chaque prestation, nous avons été accueillis par le maire ou un de ses adjoints qui souvent nous a offert un buffet. Nous sommes passés dans différents journaux où nous avons eu de super photos. Le Var Matin, la Provence et le Dauphiné Libéré qui nous ont suivis pendant ces 10 jours de vélo. Yann, que nous avons connu à Toulon lors de notre première édition de Batou Cazoul, nous a rejoint pendant notre périple à vélo à Oraison. Il nous a photographié de nombreuses fois et il nous a suivis jusqu'à notre arrivée. Il a fait de superbes photos. Il a dormi une fois avec nous, mais sinon après, comme il était lui en voiture à côté, il a pu rentrer chez lui. Nous avons créé un super partenariat avec lui, et lui qui est d'origine de Grenoble, et ben on espère que ça continuera longtemps. À droite. Yo, le bar, bientôt à Toulon. Dans tous les campings où on est allé, on a très bien été accueillis et parfois on avait même le droit à une réduction pour une nuit parce qu'on jouait pour compenser. Donc on pouvait dormir et se reposer pour pouvoir reprendre le vélo en forme le lendemain. Sur la route, sur le vélo, les personnes devant lesquelles on passait nous applaudissaient ou nous encourageaient.
hier ils sont venus pour regarder, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de chaises pour aller jusqu'à 8 mètres. Ils ont dit qu'ils vont peut-être revenir. Ils ont une chaise de 8 mètres. Il y a un manque de racines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montrez-moi ton beau les frites. Qu'est-ce que c'est? Les frites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montre-moi ta top modèle. Qu'est-ce que c'est? Top modèle. Top modèle. Top modèle. C'est bien les enfants. C'est bien maman. Ça descend. Et qui c'est qui m'a fait un trou là? C'est Rudy comme d'habitude. Dès que nous avions terminé de rouler, nous arrivions souvent dans nos campings et il fallait à chaque fois monter et démonter les tentes. Et ça a été une grande expérience parce que c'est là où on a appris à monter une tente pour certains. Il y avait une organisation spéciale. On devait mettre une tente cuisine d'un côté, là où il y avait de l'électricité, et de l'autre côté des tentes à quatre ou des tentes à deux. Si c'est moche, on mange. C'est toi qui as eu l'idée d'acheter de la roquette? Non. Non, c'est. Si moi, je sais pas, on n'arrive pas. C'est super fort, hein, les enfants, ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'il a niqué les maisons. C'est exactement. C'est le monsieur. C'est le monsieur. Merde! Yo, Primer!
chaud dans le corps. Allez, vas-y. Allez, vas-y. On va se baigner. Papier. Bouge les papiers. Ça descend après. Bientôt à Toulon. Dernier jour, on y est presque. Elle va tout à vélo. Thank you.